Le temps des œufs durs. Comédie réalisée en 1957 par Norbert Carbonneau. Scénario de Serge de Boissac et Norbert Carbonneau. Musique de Francis Lopez. Gardien du garage des Griots, taxi à l'occasion quand il emprunte la voiture du patron, Louis Stainval est timide, rêveur et désargenté. Un jour, il gagne 10 millions à la loterie nationale. Raoul Grandvivier, peintre raté qui se prend pour Gauguin, veut se suicider en se jetant dans la Seine. Un homme le sauve et le met dans le taxi de Louis qui le ramène chez lui. Là, il rencontre Lucie, la fille de Raoul, caissière dans une piscine, dont il tombe immédiatement amoureux. Pour aider le peintre et surtout revoir la jeune fille, Louis fait passer son patron Griot, à qui il a promis d'acheter un garage flambant neuf, pour un admirateur mécène qui aurait reconnu le soi-disant génie de Grandvivier. Louis paie les tableaux à Raoul et les jette ensuite dans la Seine. Cependant, il semble que les tableaux ont été payés avec de faux billets. Grandvivier, Griot et Louis se retrouvent en prison, mais sont libérés quand la police reconnaît qu'il y a eu erreur de sa part.